Bonjour, aujourd'hui le message est un pasteur en Afrique du Sud qui fait manger de l'herbe à ses fidèles. La Bible nous dit ici dans le verset Matthieu 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Et ce pasteur, sa conduite nous démontre que c'est vraiment un faux pasteur. L'esprit qui est en lui, l'esprit qui est en lui est en train de produire le mal. C'est des choses choquantes qui sont en train de sortir de ce pasteur. Des choses terrifiantes, des choses choquantes. Donc, ne soyez pas étonnés, mon frère, ma soeur, car la parole a dit, vous les reconnaîtrez par leur conduite. Donc, on va souvent voir des choses terrifiantes, des choses choquantes. Un jour, j'ai regardé sur le YouTube, j'ai vu un pasteur, un prophète, soi-disant anti-sorcier, qui court comme ça, qui rentre dans la maison de quelqu'un avec un bois pour faire sortir la personne comme ça. Il a battu la personne et il a fait sortir la personne en le traitant de sorcier. Donc, c'est des choses terrifiantes, des choses choquantes comme ça qu'on va voir. On va les reconnaître par leurs fruits ou par leur conduite, parce que c'est que l'esprit qui est en eux là, parce que c'est le mal qui est en eux, c'est l'esprit du diable, c'est qu'il va produire le fruit, ce qu'il produit, ce qu'il vient de cet esprit, c'est ce que nous on va voir. Donc c'est ce qu'on a vu avec un pasteur en Afrique du Sud qui fait manger de l'herbe à ses fidèles. Ce pasteur, c'est que son esprit qui est en lui, qui a produit, parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, ça, il a l'esprit du diable, il a la magie qui vient du diable, qui fait des miracles, qui fait des choses terrifiantes comme ce qu'il a fait. Et les gens sont là, les gens qui l'a fait manger de l'herbe, c'est triste. Quand tu vois même, ça ne te donne plus le courage même d'aller dans une église. Mais je vous conseille, c'est pas toutes les églises, il y a des bonnes églises, il faut prier. Il faut prier, mon frère, ma soeur, avant de choisir une église, avant de rentrer dans une église. Donc, si vous remarquez que la Bible nous est dit ici, je vais le relire, dans Matthieu 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Si vous voyez la conduite ou le comportement comme le pasteur qui a fait manger ses fidèles, qui a donné de l'herbe à ses fidèles, si vous remarquez des choses comme ça, dans une église, il faut quitter l'église. Il faut simplement quitter. Un jour, j'ai vu aussi un pasteur qui a aussi la magie, parce qu'il y a beaucoup qui ont la magie qui vient du diable. Beaucoup. Moi, quand je regarde, je connais ce pasteur. Il a dit aux autres, ce que tu as mangé, tu dois vomir. Et les gens ont commencé à vomir. Il y a les autres qui tapaient leur ventre, ils ont commencé à vomir. Tout le monde vomissait. Si tu remarques des trucs comme ça, il faut quitter dans l'église. C'est que c'est pas, c'est, on nous, on, la Bible nous prévient, ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont les loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Hein? Vous les reconnaîtrez par leur fruit, le fruit qu'ils produisent, l'esprit qui est en eux, ce que ça produit. Si c'est le mal, si c'est pas quelque chose qui est, si c'est quelque chose qui est terrifiant, parce que le diable, il faut savoir que si tu vois quelque chose, tu remarques quelque chose de terrifiant, quelque chose de traumatisant, cela ne vient pas de Dieu.
Parce que Dieu n'a pas envoyé son fils pour nous traumatiser, pour nous terrifier. Non, non. Si vous remarquez, les choses terrifiantes, les choses traumatisantes, les choses qui ne sont pas anormales, il faut savoir que cela vient du diable, simplement. Il faut remarquer ça. Et puis quitte, quitte dans l'église, même si tu aimes le pasteur, si tu aimes l'environnement, si tu aimes les choses, il faut quitter simplement. Il faut quitter. Donc c'est mon message. C'est mon message. Sois béni.